Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 8.3 de Etim. L'épisode où on va grimper dans la tour Chétiflore et où on va défoncer les Chétiflores. Et un Outwood qui traîne aussi, je sais pas pourquoi. Donc bienvenue dans la tour Chétiflore, la tour où il y a que des Chétiflores. Ou en fait pas vraiment, mais en fait si. Et surtout il y a deux objets sur le sol. Ce qui est important, chaque objet compte parce qu'il peut être n'importe quoi. Donc, bon, bien sûr, on est dans la 2G donc on peut pas vraiment trouver des trucs genre super chouette comme des lunettes choix. Voilà. Mais ne serait-ce qu'un mouchoir soie par exemple serait intéressant, même si le mouchoir soie en fait n'existe peut-être pas. Parce que je sais que il y a deux objets dans cette génération qui améliore les attaques d'équipe normales. Voilà, elles ont évidemment, elles ont exactement le même effet, hein, parce que c'est des objets. Les deux objets ont exactement le même effet, mais il y a deux objets différents. Mais je ne sais pas si le mouchoir choix est l'un d'eux, et qu'ils l'ont juste retiré, ou si ils ont juste retiré l'autre, ou si c'était deux trucs différents. Donc je dois avouer que j'ai pas regardé. Mais bref. J'aime bien la musique de la 2G. Enfin, je veux dire, quand je dis ça, j'aime bien le style en fait. J'aime bien le 8-bit en fait, en musique. Yes, j'apprends gros yeux laser, merveilleux. Bon, j'ai battu Hippolyte. Hippolyte Calice. Je vais me soigner parce que bon, le Pokémon que j'ai entraîné il est KO. Je ne pensais pas qu'elle allait se prendre autant de dégâts d'un Foilian. Bon, faut faire gaffe avec les Chétiflores parce que niveau 3 ça va. À partir du moment où c'est niveau 6, ils ont croissance. Et croissance, ça augmente l'attaque spéciale. Seulement, une attaque spéciale dans cette génération. Mais Foilian c'est spécial puisqu'on est type plante. Puisque c'est de type plante. Oula. Mais oui, tout à fait. Et il n'est que 13h18. Hein. Tiens, d'ailleurs, est-ce que le Pokémato c'est. Merveilleux! Oui, nous sommes mardi. Oui. Mais donc voilà, ça peut être un peu dangereux les Chétiflores avec croissance. Mais ça devrait aller. Et en 4G, ils ont le même moveset, sauf que croissance augmente l'attaque spéciale toujours, oui. Pardon. Je disais donc, en 4G, croissance augmente toujours que l'attaque spéciale. Mais Foilian est devenu physique. Oh, Rattata, un Pokémon de type normal que je n'utiliserai pas. Foilian, c'est devenu physique, mais ça sert à rien. Une cuillère tordue, si jamais des attaques de type psy, et j'en aurai. Parce que j'ai trouvé quelle équipe j'aurais. Bon. Là c'est un très gros indice pour savoir ce que je vais avoir dans mon équipe. Hein. Bon voilà. Mais pour ceux qui ne connaissaient pas bien tout ou qui n'ont pas entendu, qui n'ont pas saisi ou qui n'ont pas réfléchi, ce qui est possible aussi, eh bien ils verront plus tard. Bien plus tard. Ok, donc 5 PV de dégâts. Et le Chétiflore a l'air plus rapide. Ce qui est bien dommage, j'ai envie de dire. Mais ça devrait mettre KO en 3 coups, donc ça devrait aller. Bah voilà, parfait. C'était calculé. 54 points d'expérience, vous avez vu à quel point ça va vite. Alors là, bien sûr, je vais rester et puis je vais m'en aller. Je vais switcher directement. Ouf. Ce n'est pas très efficace. Ah ah, tu as trouvé ton maître, Chétiflore. Boum, KO. Ah oui, tout de suite, c'est différent. Et Epta monte niveau 5. Ouais, elle va prendre boule armure, je pense. Ouais. Ah, Fouinette.
Mais voilà, Fouinard c'est un Pokémon qui n'est pas beaucoup utilisé, qui n'est pas super fort, mais qui est bien. Enfin, je veux dire, Fouinard c'est cool, hein, Fouinard. Donc, je suis curieux de voir. De voir si. À quel point Fouinard pourra m'étonner. Parce que. Je veux dire, c'est aussi l'occasion, je veux dire, c'est aussi bien de des fois entraîner des Pokémon, utiliser des Pokémon que vous n'avez pas l'habitude d'entraîner. Parce que parfois vous pouvez faire des bonnes surprises. Moi je prends toujours le même exemple, mais c'est l'exemple de Grande Bulle que j'ai utilisé dans les Team 5, sans grande conviction, n'est-ce pas? Et qui en fait était juste génial. Je veux dire, j'ai remarqué que Grande Bulle était en fait super, super chouette en in-game. Bon, c'était en 3G, bien sûr. Bon, intimidation aidait un peu. Mais le fait, enfin je veux dire, il avait une vitesse pas trop dégueulasse et une super bonne attaque, donc c'est avec un move pool qui était sympa parce que voilà, casse-brique, retour, ballon, enfin tous les trucs ainsi, ballon qui en plus est physique en 3G, en 2G aussi d'ailleurs, mais et en 1G, ballon n'était pas physique, et oui, le saviez-vous, c'est parce que ballon n'existait pas. Donc techniquement, ballon était physique et ballon ne t'était pas au même moment, puisqu'il n'existait pas, et oui. En fait non, c'est plutôt, on ne sait pas si c'était physique ou spécial. Mais en tout cas, dire que Ballombre était... Mais dire que, en fait, ce qu'il y a, c'est que dire que Ballombre était spécial en première génération, je veux dire, intuitivement, ce que font les humains, c'est que... Je veux dire, ça veut dire, si Ballombre existait, alors il était spécial. Mais comme c'est une implication et que la prémisse est fausse, Ballombre n'existait pas en 1G, eh bien, ça veut dire que l'implication est vraie. Donc, dire que Ballombre était spécial en 1G, c'est vrai. Et dire que Ballombre était physique en 1G, c'est vrai. Dire que Ballombre était une attaque de type 42,83, moine ratata, c'est vrai aussi. Mais bon, ça a très peu de valeur, forcément. Voler comme vent des feuilles, combat. Oui, bien sûr, alors pour être forcément dans le stéréotype, il faut prendre l'accent dégueulasse comme ça. Pour faire les sages, parce que bien sûr, si c'est des moines, ils ont un accent oriental. Extrême orientale, bien sûr. À ne pas confondre avec l'extrême droite. Il y en a, ils sont différents. Il faut pas confondre l'extrême orient avec l'extrême droite. Il y en a, ils sont différents, il y en a, ils sont cons. À vous de décider lesquels. C'était la minute. Je dévoile un peu mes opinions politiques. En même temps... Certaines personnes, hein, et je vais m'arrêter sur cette phrase pour ne pas m'attirer les foudres de partisans de l'extrême droite, mais certaines personnes diraient que critiquer l'extrême droite n'est pas une opinion, mais du bon sens. Et je serais plutôt d'accord avec cette phrase. Mais je joue actuellement en Pokémon Argent, n'est-ce pas? Et je pense que ce n'est pas vraiment une place pour en parler. Donc... Forcément, on va. Bon, je veux dire, ce qui se passe actuellement n'est pas non plus la chose la plus intéressante du monde, puisque c'est des Chitiflore en boucle. Hein, je ne vois pas pourquoi avoir voué un tel culte à Chitiflore. Normalement, Chitiflore, c'est un Pokémon que j'aime pas. J'aime pas Chitiflore, je sais pas pourquoi, mais j'aime pas. Et voilà. Et le fait que j'ai un Ampiflore Shiny ne change pas la donne. Hein. J'aime quand même pas Chitiflore. Bon, c'est aussi le fait que Ampliflore est juste naze, mais genre vraiment naze. Je veux dire, Fouinard, il est naze, bon, ben voilà, c'est un Pokémon de départ, c'est un truc normal, forcément, qui va pas être fort, etc. Mais il peut avoir un bon moveset, il peut s'en sortir, bazar, machin. Non, mais si vous avez un Ampliflore, il va garder Fouillian durant tout votre... durant toute sa vie, hein. C'est assez n'importe quoi. En tout cas, dans Argos Suicide. Bref. Ah, niveau 8! Niveau U-Hit! Parce qu'il faut dire U-Hit. Comme si on nous dit bravo en l'air. U-Hit, bonjour. Mais bien sûr, je viens de Babanla où je ne mets pas ma fille dans n'importe quelle école. Une baie dorée! C'est la baie citrus, ça, il me semble. Ah ou non, c'est peut-être la baie prime, je ne sais plus. Je ne suis pas un. Auto-soin, 30 PV tenu. C'est la baie citrus version oldies, c'est-à-dire qu'il rend 30 PV au lieu de rendre 25% de la vie. Ce qui veut dire que cette baie dorée est merveilleuse en début de jeu. Je veux dire, c'est merveilleux.
C'était gratuit, c'est 1,5 fois une potion. Et c'est tenu, je peux la faire tenir. Donc c'est merveilleux. Par contre, en fin de jeu, elle sera un peu naze parce que 30 PV. Enfin, vous allez me dire, on est à 2G, donc mes Pokémon, ils auront genre 120 PV grand max à la fin. Quoique, Darla va peut-être plus que ça qu'en grec, ça a une bonne base stat en PV. Mais bref. Moi, je sais, en tout cas, dans mon Nuzlocke sous Silver, j'ai entraîné tout le monde jusqu'au niveau 50 pour la Ligue. Il n'y avait pas plus... Je pense pas que j'avais un Pokémon avec plus de 150 PV. Bon, j'avais pas les plus grosses bases stats en PV du monde non plus. Hein. Je veux dire, Rattata avec Dardarmian, Nidoking, Draco... Hermure. Pardon. C'est pas non plus les choses les plus énormes du monde. Alors je vais aller acheter des potions, comme ça ça m'évitera de faire 83 allers-retours. Bon, je peux pas en acheter dans l'entre-neuf malheureusement. Mais je peux en acheter 5. Voilà. Une corde sortie, non. Pas envie. Par contre, je vais acheter ça. Non, il me manque deux Pokédella. Est-ce que je peux vendre quelque chose? Genre vendre la CT Grimace. Ouais, 1500, c'est bien. La CT 33, c'est quelque chose de bien d'habitude. Je vais apprendre un réveil parce que je sais pas si c'est le cas de... Oh, défense plus, attaque plus, vitesse plus, lettre fleur. C'est pas lettre fleur, c'est lettre fleur. Ouais, fleur, dire comme ça, c'est bon, mais lettre. Bref. Je pourrais déjà acheter des objets comme ça, mais c'est un peu cher pour l'instant. Antidote, ça peut être sympa. J'allais dire, corde sortie, je vais pas en acheter parce que je pense qu'il y en a une dans la tour chez Fleur, mais c'est totalement con parce que les objets sont en mode. Un antipara pour pas faire de jaloux. Voilà. Bon, faut faire gaffe avec la 2G parce que le sac est limite de 20 objets. Au moins 20 objets par poche. Ça veut dire que 20 objets ici, donc les balls sont pas comptés, les objets rares sont pas comptés, donc ça va. C'est pas comme en première génération, c'est n'importe quoi. Je suis à combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 4, 13. 13, ça va, j'ai encore de la marge. Ah oui, normalement il y a la... Est-ce que c'est une CS éclatroc ou est-ce que c'est une CT? Parce que si, de toute façon, que ce soit une CS ou une CT, ce sera toujours éclatroc. Parce que c'est un field move, donc une attaque de terrain. Ah, ça fait bizarre, je m'attendais à avoir qu'il y ait une porte ici. Il y en a une dans un Angel Silver. Bref. Voilà, bonjour. J'allais éclater cet arbre avec mon point du dragon. Mais j'y arrive pas, je suis nul. Mais tu donnes éclatroc, méchant. C'est toi qui es censé donner éclatroc, non? Ou alors je suis... On m'aurait menti. Un arc qui danse. Ou alors peut-être qu'il le donne que après avoir battu Albert, ce qui est une possibilité. Et si c'est une CS, ça veut dire qu'on peut utiliser Éclatroc après avoir... Oui, ce serait logique que ce soit une CS en fait. Parce que je suis pas sûr que ce soit une CS ou une CT. Parce que bon, Éclatroc, je veux dire, c'est pas non plus l'attaque la plus géniale du monde, hein. Mais 40 de puissance type combat à ce stade-ci du jeu, ça peut être correct, quoi. Bon, faudra, en tout cas, le principal, je veux dire, les Pokémon type combat, c'est pas un problème. Ce qui sera un problème, c'est les Pokémon type roche et acier, et les Pokémon type spectre, forcément. Je veux dire, ça semble évident que ce sont eux qui poseront le plus de problèmes. Type roche et acier, il y a combat et sol qui sont des possibilités. Donc il y a tunnel qui sera une CT, elle sera toujours au même endroit, qui sera... Oh wait, elle sera peut-être pas là en fait. Oui, parce que la CT28 reste une CT, reste tunnel, pas de problème avec ça. Sauf que, ah bah tiens, il a croissance. Sauf que la CT28, comme les objets sont random, elle est peut-être plus à la place de la CT28. Ah merde, c'est-à-dire que j'aurais peut-être pas tunnel assurément. Bref, peu importe, une attaque des types sol ou combat sera bien pour gérer ces deux types-là. Et éventuellement, bon, si faut, je veux dire, si j'ai une attaque de type feu pour l'acier, une attaque de type ou plante pour roche, je veux dire, ça marchera aussi. Un enfant a gagné Fichtre. Bah, c'est pas bon, c'est pas un enfant qui a gagné, c'est un funette. À moins que le funette soit un enfant, je sais pas. Je pense pas. Et Epta est niveau 7, ça va bien, c'est cool. Je voulais pas descendre.
C'est pas grave. Là, c'est les anciens éclairs, mais ils sont au canon. Ah non, il faut sûrement. C'est sur mon flash que ça active en fait l'arène de movie. Bref, enfin bref, toutes ces CS que je n'utilise jamais. Mais oui, la CS de l'ancien. Et oui, c'était une CS Flash. Pour les plus jeunes d'entre vous qui n'avaient pas connu Flash étant une CS, eh bien, tant mieux pour vous. Parce que c'est totalement vrai, ça. Moi, de mon temps, quand j'ai commencé avec Pokémon Emerald, Flash était une CS. Cette attaque était ineffaçable. Et... donc forcément il faut que je prenne une voix de merde pour le dire. Non c'est vrai, c'est... et c'était très chiant. Le coup que Flash devienne une CT, que Éclatruc devienne une CT, c'est bien. Enfin vous allez me dire Éclatruc devienne une CT c'est en 6G et ça sert en 5G et ça sert pas à rien en 6G. Et puis en 6G ils ont redonné une utilité à Éclatruc, ce que j'apprécie grandement. Il n'y a pas que des choses de mal en 6G. Hein. Alors ça me trouble parce qu'il faut passer à droite alors que dans Dragonflyer il faut passer à gauche. Ça ne va pas. Ils ont un flip de la situation, ça m'énerve. Imaginez, du jour au lendemain, vous devenez gaucher, alors que vous étiez droitier. Ça doit faire bizarre. Bien sûr, souvent c'est des réflexes, donc ça c'est... je sais pas. Vous vous réveillez un matin, vous vous rendez compte que vous n'avez plus écrire de la main droite. Mais par contre, vous savez parfaitement bien écrire de la main gauche, vous savez pas pourquoi, parce que vous avez jamais su. Et bien sûr, si vous êtes ambidextre, bah, ça change rien, donc voilà. Ou alors ambidex, c'est marrant, tiens. Vous me disiez, vous êtes ambidex, vous vous réveillez, vous savez plus écrire. Et voilà le hoot-hoot qui arrive. Et je savais pas qu'en fait lui il avait déjà un hoot-hoot. C'est honte à toi d'avoir un hoot-hoot. Non, ne le touche pas, deux fois ça ne va pas. Bon, faut que je fixe bien, mais... charge. Bon, le hoot-hoot du sage il est niveau 10, alors oui, il est niveau 10 et le Roucoupe d'Albert est niveau 9. Aucun problème avec ça. Mais surtout, dans Rock Silver, il a hypnose. C'est pour ça que j'ai... pardon. C'est pour ça que j'ai pris un réveil avec moi. Parce que ça pourrait être utile. Donc, normalement, notre cher sage, le cher ancien plutôt, il a Chétifleur, ou tout. Tu es sans conteste un bon dresseur. Comme promis, voici ta CS. Un conseil toutefois, traite tes Pokémon avec plus de gentillesse. Tu es bien trop âpre au combat. Les Pokémon ne sont pas des engins de guerre. On l'appelle l'ancien, mais super nul. Et là, comme n'importe quoi. Je me ferai jamais battre par un crétin qui conseille d'être gentil avec les Pokémon. N'importe quoi. C'est les Pokémon sont puissants. Je viens de cracher dans mon écran, c'est dégueulasse. Sont importants. Tu me contrefiles des Pokémon mignons et faibles. Tu as tort. J'avais même oublié que tu t'appelais Galekid, c'est merveilleux. Mais oui, forcément, on s'appelle Galekid, c'est rechassé. J'aurais pu l'appeler Monorpal, mais non, ça c'est pas ça. Une perle! Ouah! Version perle confirmée! Déjà dans or et argent. Bon ben, se vend peu cher, ouais, bon ça fait 375, il me semble, Pokédala. À ce stade-ci du jeu, c'est sympathique. Une petite potion, on sait jamais pour Epta, si jamais j'ai besoin de l'utiliser. Hein. Puis c'est pas comme si j'avais encore plein de potions. En fait, je n'ai pas beaucoup. Voilà. Donc, Concorde pour les Chétiflore, Darla pour les Hoot-Hoot. Sois le bienvenu, mon jeune ami. La tour Chétiflore est un lieu d'entraînement. Humains et Pokémon y renforcent leurs liens pour des lendemains qui chantent. Je serai ton adversaire final. Permets-moi de mettre à l'épreuve ton amitié envers des Pokémon. Joachim. Il envoie Chétiflore, c'est tellement étonnant. Hop, hop. Ok, bah oui, enfin, je m'attendais pas à le mettre KO en un coup, mais c'est bien parce que plus rapide et KO en deux coups, ce qui veut dire qu'il n'a qu'une attaque possible à faire. Ce qui veut dire que soit il fait croissance et il ne fait pas dégâts, soit il fait full gain, il fait genre un peu de dégâts. Voici le Hoot-Hoot qui arrive, et pour ça, Darla est plus adaptée parce que elle a de meilleures stats en général. Alors, faut pas oublier que j'ai un Kangourex, ça c'est du jeu, normalement ça défonce à peu près tout. Sauf quand ça fait juste juste quand ça tape seulement deux fois avec Point Comète. N'est-ce pas? La 2G ça vous permet de voir plus vite
si vous avez fait le nombre de coups que vous avez fait. Donc vous pouvez rager plus vite quand vous avez fait que 2 coups. Voilà, l'arc encore par exemple. Ok, donc Darla, tu vois le truc qui est bien avec l'attaque que tu as, c'est qu'elle peut toucher 5 fois. 5! Tu te rends compte? 5! Non, pas 3, 5 j'ai dit. Oh, par contre, j'espère qu'il va pas... Ouais, clairvoyance. Clairvoie ce que tu veux. Il va pas soigner quand même. Non, j'ai eu peur. Un moment de doute. C'est ce qu'on appelle des stats au niveau 9. Hein. Et un autre Chitiflore. Bon, pauvre reptile, il faudra que j'entraîne un peu. Mais bon, en même temps, je veux dire, niveau 7, niveau 9, niveau du champion. Donc, c'est pas si horrible que ça, hein, comme niveau d'être au niveau 7 quand on arrive à l'arène de Movil. Hein, faut pas... Voilà, croissance. Yeah! Le Chitiflore est en mode, attends un peu que j'attaque, tu vas te prendre plein de dégâts. Et puis... Non mais en fait t'es mort avant. Oh. Enfin KO, bien sûr. Et niveau 9 pour Concorde aussi. C'est magnifique, tout Concorde. Voilà. Donc si vous avez fermé la vidéo là, je vous comprendrai. Si vous ne l'avez pas fermé, je vous en remercie. Ah, excellent. De toute façon, si vous avez fermé la vidéo, vous ne l'avez pas entendu à moins de revenir sur cette vidéo. Toi et tes Pokémon méritaient bien cette nouvelle capacité. Capacité activée. Ça c'est pour toi Jagger. Jagger, si tu nous regardes. Prends donc cette CS Flash. C'est S05 que j'utiliserai jamais. Non, sérieux, je mettrai jamais Flash sur un de mes Pokémon. C'est une attaque qui sert à rien. Dans quoi il faut utiliser Flash dans cette version? L'antre noir qui est totalement facultatif, voilà, ce freaking jeu me pousse à transformer le genre des noms aussi. Et je ne suis pas un chirurgien, donc je ne peux pas le faire. Et il y a aussi le mont argenté, que je vais pas faire parce que la run s'arrête à Peter. Donc, voilà. Le flash illumine les endroits les plus sombres. Pour l'utiliser en dehors des combats, il te faudra cependant le badge de la reine de Movil. Et maintenant que j'ai une corde sortie, et que j'ai acheté exprès pour ça, j'ai pas besoin de me retaper tout le chemin. 550 Poké-Dollars pour sortir plus vite. C'est jeu. Le DLC corde sortie, disponible dès aujourd'hui à la tour Chitiflore. Pour 550 Poké-Dollars de plus, vous pouvez être téléporté instantanément à la sortie. Bref, on va maintenant passer à l'arène de Movil. Et pour cela, je vais faire une petite pause. Bien. Maintenant que ça c'est fait, on va passer à l'arène. Ouais. Donc, arène de type vol, comme je l'ai dit. Ça devrait pas être trop compliqué, surtout avec un grand raise en équipe. Faut bien vous dire que là, Concorde et Darla sont au même niveau que le plus fort Pokémon du champion. Voilà. Donc, j'ai pas trop d'inquiétude, surtout que, ben, je veux dire, je m'en fous, c'est pas un Nuzlocke, je dois pas penser à ne pas switcher, quoi que ce soit, je fais ce que je veux. Hé hey, gamin, je suis pas un dresseur, mais je peux te donner quelques conseils, hein. Comment tes rêves de champion peuvent se réaliser? Tu crois? Alors écoute bien. Les plantes sont faibles, comme les volants. Garde ça en mémoire. J'ai aucune plante, purée. Livaldin, il n'existe même pas. Bref. Oui, je suis assez fort pour affronter Albert, s'il te plaît. J'ai même un piaf avec, qui est strictement supérieur à Roku. Ah, bah lui aussi, il a un piaf avec niveau 9. Voilà. Parce que c'est logique d'avoir un piaf avec niveau 9 quand... Bon, enfin, vous allez me dire, le champion a Roku, niveau 9, donc forcément... Fabek est moins bien que Roku, donc ça se tient. Mais quand même, je suis pas d'accord quand même. Mais sur ces combats qui vont probablement être plus ou moins répétitifs parce que ça va toujours être la même chose avant Albert, on va pouvoir parler de la question du jour. Si je dis question, c'est normal, c'est parce que c'est référence à Internet. Si vous ne connaissez pas Internet, ben c'est Internet mais sans le T. Et cherchez sur YouTube Internet, de toute façon vous le trouverez.
Et voilà, il se peut que vous que ce soit pas le genre d'humour que qui vous convient, parce que c'est un humour très très bizarre, l'humour des mermettes, mais en tout cas moi je suis bon client sur ce coup là. Donc la question du jour, n'est-ce pas, combien de tranches pour reconstituer un gros ray? Non, c'est pas ça. C'est impossible! Unconceivable! La question du jour, eh bien, la dernière fois, la question de l'épisode précédent, donc, c'était, avez-vous un Pokémon de type poison préféré? Parce que 18-1, parce qu'il faut faire toutes les runs 18. Donc moi, personnellement, c'est Bulbizarre, le mien. J'ai regardé, mais Bulbizarre, voilà. J'aime bien Nidoqueen et j'aime bien Ectoplasma aussi. Mais Ectoplasma, je le garde probablement pour Spectre, en fait. Voilà. Donc, la question d'aujourd'hui, forcément, ça part de 18-2. Donc la question du jour aujourd'hui, c'est avez-vous un Pokémon électrique préféré? Voilà. Si c'est le cas, eh bien, vous pouvez commenter. Par contre, en fait vous pouvez commenter, mais je ne sais pas, je me demande ce que les gens, quand ils entendent la question du jour, est-ce qu'ils commentent directement et puis ils regardent la suite de la vidéo, ou est-ce qu'ils attendent la fin et puis qu'ils regardent la vidéo? Parce que s'ils commentent directement, l'avantage c'est qu'ils répondent à la question du jour, mais peut-être qu'ils auront envie de dire autre chose dans le commentaire et qui correspond à la suite de la vidéo, et ils vont faire deux commentaires. C'est pas grave, hein. Je vous avoue que comme j'ai pas des masses de commentaires sur mes vidéos, je vois vraiment tout. Il y a rien qui va te faire voir, Coucou. Il y a rien qui peut me passer sous le nez, entre guillemets. Mais voilà, c'est toujours plus mieux de faire un commentaire avec tout que de faire 4 milliards de commentaires pour dire à chaque fois quelque chose. Ça, peu importe. Mais l'autre, voilà, si vous attendez par contre, ben il y a des chances que vous oubliez la question du jour. Et c'est pour ça que je la rappelle en fin de vidéo, en fait. Voilà. Et j'ai pas envie de la mettre sur le layout parce que j'aime pas, en fait. Je sais pas pourquoi. J'aime pas parce que. Alors, je veux pas mettre la question du jour dès le début parce que je veux pouvoir l'annoncer moi-même. Je veux dire, là pour l'instant, on sait que dans les épisodes suivants, ça va être toujours la même question, à part avec un type différent. Donc. Je veux dire, ça, ce ne sera pas un suspense. Mais après, j'aimerais annoncer moi-même, introduire moi-même la question du jour. Donc, il faudrait que sur les layers, je la fasse apparaître seulement à un moment. Et si je la rappelle, à la fin, autant ne pas la rappeler pendant tout le truc, quoi. Enfin, maintenant, on peut avoir évidemment le raisonnement inverse. Si on le rappelle pendant tout le truc sur les layers, pourquoi le rappeler à la fin? Mais je préfère toujours le rappeler à la fin parce que. Quoique. Enfin, ça dépend, il y a peut-être des gens qui passent la fin aussi. M'entendent commencer à faire l'outro, ils font ça, bon, la vidéo est finie. Bref, peu importe, ça vient des habitudes de regardage de vidéos, ça se dit pas. De regardage de vidéos, ça chacun est comme il est. Et pour le coup, on va battre Albert, qui n'est pas le cinquième mousquetaire, j'ai déjà fait cette blague. Il y a Jean, c'était il y a plus d'un an, 18-3, ok? Plus d'un an, j'arrive pas. Là, actuellement, il y a un an pile, le 13 octobre 2014, c'était Random Shops 1. Voilà. Je suis Albert, le champion d'arène Pokémon de Mauvilain. On dit qu'avec une bonne décharge électrique, les Pokémon volants grillent. C'est vrai. Je n'autorise personne à insulter les Pokémon. Oui, non, mais ça, moi non plus, hein. Mais les Pokémon volants, c'est vrai que tu leur fous une étincelle et souvent, ils sont cramés, hein. Tu vas subir les terribles attaques de mes Pokémon volants. C'est marrant parce que la question du jour c'est sur les électriques et je suis en train de défoncer Albert qui fait. Je suis pas encore en train de le défoncer, mais ça ne va pas tarder. Et qui est en mode le type électrique. Et alors ce qui est génial avec Albert c'est que, je veux dire, il ne suffit qu'une étincelle pour faire griller les Pokémon oiseaux qui balancent au début de Soul Silver. Et puis dans Storm Silver je suis arrivé avec un Pachet des Oux et je l'ai juste solo avec étincelle. En fait. C'était beau. Je dois avouer que j'étais content. Ça me rendait heureux à l'intérieur. 15 PV en deux coups. Parfait. Voilà. Bon, maintenant, on recoupe. Le gros morceau. Et niveau 9. Merveilleux. Quand on voit ces stats-là par rapport à un Kangourex, forcément, c'est pas génial. Mais Kangourex n'évoluera pas. Ah ah.
Allez, let's go, Roku, parce niveau 9, qui a probablement coup de boue. Coup de boue. Coup de boue, pitié, quoi. Au moins, il n'a pas atterrissage, donc il va pas se soigner, si j'ai ça. Parce que dans Argos Survivor, si vous n'arrivez pas à le mettre KO vite, des fois, il peut être très, très énervant. Trois coups, c'est bien. C'est bien, mais ça fait pas exactement le... la moitié des PV. Donc ce qu'il faudrait, ma mandarla, c'est 4 ou 5. Ah! Il va soigner. Bon, on va se prendre en soigner, tant pis. Au moins, il fait pas coup de boue, donc la précision ne baisse pas. Parce que ça, c'était vraiment... Ah non, il soigne pas, en fait. Non, non, il a juste dit abandonne. Ouais, hein, c'est trop nul en les combats d'arène, en fait. Je veux plus être champion d'arène. Hein. 25 d'attaque, 25 de... Oh non, 13 d'attaque spé, c'est nul. Mais en fait, on s'en fout. Albert champion perdu. Zut de flûte, les Pokémon adorés de mon papa. Très bien, prends ceci. C'est le badge Zephyr officiel de la Ligue Pokémon. Pourquoi Zephyr en fait? Juste pour qu'il soit dernier dans l'ordre alphabétique. Juste pour faire un... Juste pour donner aux enfants un mot qui leur fait beaucoup de points au stade. Le badge Zephyr augmente l'attaque des mes Pokémon. Et détient. Il permet aussi aux Pokémon d'utiliser Flash une fois appris. Prends aussi ça. C'était 31, c'est pas 39, c'était 31. En utilisant une CT, les Pokémon apprennent une nouvelle capacité. Réfléchis bien avant d'agir, une CT ne s'utilise qu'une seule fois. La CT 31 ne contient pas à coup de boue. Elle ne réduit pas la précision de l'ennemi et ne lui inflige pas des dégâts. En d'autres termes, c'est à la fois pas des offensifs et pas défensifs. Pourquoi j'ai mis tout à la négation à la fin? Mais bien sûr parce que la CT de 31 ne contient probablement pas coup de boue puisque les CT sont random, elle contient... Dynamo point. C'est bon ça, Dynamo point. J'apprécie. Enfin, j'apprécie, sauf quand c'est dans ma face. Sauf que personne ne peut la prendre. Déception. Mais il y avait une chance sur 4 que chacun d'entre eux puisse la prendre. Voilà, aussi bizarre que ça puisse paraître, mais c'est la compatibilité qui est comme ça. Et comme normal combat, ça n'existe pas encore. Ouais, parce que Meliodas, ça existe. Il y a un autre truc qui est normal pour moi aussi. Bref. Allô Stan, on a trouvé quelque chose sur l'œuf. Mon assistant est au centre Pokémon de Mauville. Pourrais-tu lui parler? Voilà, donc il va nous filer l'œuf de Togepi. Et c'est un Togepi, c'est type normal, mais je l'utiliserai pas. Je l'utiliserai pas parce que, bien que ce soit de type normal, il n'est pas de type normal en 6ème génération. Et donc, pour rester constant avec le fait que j'ai quand même fait une run de type fée en 3ème génération, voilà. Stan, ça fait un bail. Le Proform m'a demandé de te retrouver. Il a une autre faveur à te demander. Pourrais-tu prendre l'œuf de Pokémon? Non. Mais le Proform te cherchait. Voilà. C'est aussi simple que ça, sauf qu'il y a une chance sur deux pour que je puisse pas quitter la ville. Quitter la ville! Oh, un fruit. Youpi, un fruit. C'est une baie antipare. Un Mars et ça antipare. Hop hop hop. Hot hot hot. Je veux pas prendre l'œuf. Je m'en fiche de Togepi. Pourquoi vous me donnez un Togepi? Je vais pas l'utiliser. À part pour m'en faire une omelette, je vois pas trop l'intérêt. J'ai pas envie de manger un Togepi. Si je dois choisir un truc à manger, autant manger un truc moche, genre, je sais pas, mon Magikarp. J'ai pas le choix. Si je prends pas l'œuf, y'a un type qui fait « Hey, y'a un type qui te cherche !» Et quand j'ai l'œuf, tout à coup, il me cherche plus. C'est la seule personne, je suis la seule personne qui peut marcher pour faire éclore l'œuf? Je suis la seule personne qui a des Pokémon au monde pour faire éclore l'œuf? Non, je pense pas. Allez hop, au revoir œuf, et on ne te reverra plus jamais. C'est quoi mon type dans le cristal? Oh, c'est insecte ou c'est plante? C'est plante. Oh, j'aurais pas dû choisir plante pour cristal. Parce que je suis en train de penser à l'œuf mystère de cristal en fait. Enfin l'œuf mystère, l'œuf spécial qui a 14% d'être shiny. Et je m'étais dit si j'avais choisi un type qui correspond à l'un des bébés qu'il y a dedans, ça aurait été bien.
J'aurais pu avoir un shiny, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Ouais, type plante, il n'y a aucun bébé Pokémon type plante en deuxième génération. En vrai, bien sûr, il y a tous le meilleur bébé Pokémon du monde, c'est-à-dire Rose Bouton. C'est pas... Non, c'est pas le meilleur, mais c'est Rose Bouton, quoi. Un peu de respect pour Rose Bouton, j'ai envie de dire. Et je ne sais pas pourquoi je m'en vais du centre Pokémon, parce qu'en fait, j'y retourne, parce que je vais arrêter l'épisode là. Donc, bah, au final, niveau 9, 9, 10, voilà, c'est... On s'approche tout doucement du niveau où Epta va évoluer, hein. Et puis Concorde évoluera niveau 20, on aura passe de pique, et puis ce sera bien, ce sera magnifique, ce sera majestueux. Mais avant, il y a la reine insecte qui arrive. Oui, insecte. Voilà. Et donc, ça va être la fin de cet épisode. J'espère que vous l'avez apprécié, que ce soit le cas ou pas, je vous invite à mettre un commentaire pour dire ce que vous en avez pensé. Et ou répondre à la question du jour qui était, avez-vous un Pokémon de type électrique préféré? Et quant à moi, je vous retrouve dans l'épisode 8.4 de 18.